Salut tous les amis, c'est Alex. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, donc pour un nouvel épisode de Let's Play de God of War Ragnarok les gars. Donc pour l'épisode 19, et oui on est déjà à l'épisode 19, c'est incroyable les gars. Donc rappelez-vous dans la dernière vidéo, enfin donc dans l'épisode précédent, on était arrivé avec Atreus, on devait aller chercher le dernier bout du masque là, et on avait croisé Odin avec Kratos, c'était pas joyeux joyeux, hein, mais bon, voilà. Et on était arrêté là du coup en pleine quête d'aller chercher le truc avec la meuf là que j'aime pas trop d'ailleurs, même son le mec là merde j'ai oublié son nom, bref. Donc on est reparti tout de suite hein, les gars, c'est parti hein. Hop. C'est parti, on continue direct. Ok, bon il y a quoi ici? Ok, d'accord. Pourquoi pas. Oh, vous allez vous calmer vous. Oh je oh, les a baisés en 2 secondes frère. Ah ouais. Ah ils ont vraiment pas de vie hein. Pour le coup, wow. Il y avait un petit coffre caché là, on l'a vu. C'est vrai qu'on l'a pas vu ou quoi. Vas-y l'épée, occupe-toi d'eux, voilà. Je prends le coffre. Elle est pelle, carry quand même, elle est trop trop bien. Oui. Est-ce que tu te moques de moi? Je veux que ça se passe bien. Je veux que ma famille voit de quoi je suis capable. Je sais, moi aussi. Là, c'est pas là, on est obligé d'aller là. De toute façon, tu vas me suivre, t'es con ou quoi? T'es con ou quoi, ma gueule? On dirait que c'est par là. Ah oui, c'est par là, je le sais, frère. On suit le chemin, de façon, les gars, y'a pas besoin je me de prendre de la masse. L'ouvrir. Ouais, elle a plus de force que moi, cette pute. Hey, je vais te buter, je vais te buter. Dans la tête. On peut pas, merde. Ouais, il y a un truc, mais... Ah ouais, attends, bien vu, il y a ça. Ok. Je peux pas te presser, mais... Voilà. C'est bon, je l'ai eu. Bien, ce que t'as touché a fracassé le sol, comme tout à l'heure. Faisons demi-tour pour voir ça. Bon, je parle beaucoup de ma mère. Et toi, comment est ton père? Il est... dur. Il essaie de me forcer à devenir comme lui. Mais... je crois pas que ce soit moi. Ouf. Ouais, je sais exactement ce que c'est. Le problème, c'est que je sais pas ce que je veux. Toi, tu as cette chance. Tu vas trouver. Attends, mais c'est pas où qu'il faut aller du coup déjà, je sais même plus. Là? Ah ouais. Ouah, lui, il est violent. Merci bien, au revoir. C'est un plaisir. Toujours. Voilà mon gars. C'est mort. Ah, il s'est tranquille à buter. Il y a encore un mini. Encore un. C'est bon. Comment c'est bon comme toi? Non, pas vraiment. Ma mère va vraiment avoir aïe aïe aïe. Garder Asgard après ça. C'est par où? Le masque nous disait d'aller tout droit. Et bien sûr, la voie est bloquée. Peut-être qu'ils veulent pas qu'on entre. Ou qu'autre chose ne sorte. Attends, il y a un chemin. C'est toujours le cas. Bah attends, je suis en train de regarder, mais exactement, c'est là. Comment tu as su que tu voulais être une Valkyrie? Un peu par hasard. Après une dispute avec ma mère, j'ai filé en douce. Oh, il y a un coffre. Chacun de leurs mouvements était net et précis.
comme si elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Non mais je sais bien, c'est le... Ah non, c'est là. À ce moment-là, je l'ai su aussi. De toute façon, je peux pas aller là. Mourir. Et maintenant, par où? On dirait que c'est par là. C'est trop lourd? Tais-toi, quelque chose la bloque. Je vais regarder, mais je veux entendre la suite. D'accord. Trop lourd. T'as vu mes bras? Pas mal. Je sais. Eh bien. Comme je le disais, voir les Valkyries se battre avec force, avec grâce, sans faux semblant, ça m'a ouvert les yeux. Pour la première fois, ah, je suis sûr. Je n'avais aucun doute. On peut pas ouvrir ça, non, ok. Dommage. Déjà, je vais prendre le petit coffre là-bas. Peu importe. Là, y'a rien. Ok, on ira après. Hop, on va prendre le petit coffre. Voyons. C'est parti. Bon, au final, en fait, on y va comment là? Pas un truc à dégager? C'est vraiment par là. Ouais, mais non, attends, bah le masque. Ah, si, c'est par là. La dinguerie, c'est là en fait. C'était pas du tout là où il y avait le bateau. Il va y avoir un truc. Écarte-toi, petit homme. Comment tu parles, toi? Vas-y, toi. Ok, t'es forte, mais vas-y, bah les couilles. Elle est coincée aussi. Mais je sens qu'elle cède. Ah, mais là je vois rien. Elle bouge, j'en suis sûr. Allez. Je ferais sans doute mieux de me taire et me concentrer. Y'a R les gars. Ah, c'est là, d'accord. Oui, je vois ça. À l'attaque ! Elle va où, ça ? Allez hop, tu dégages. C'est bon, non? Ah, celui-là là. Équipe. Oui. Et maintenant, oh, c'est moi qui fais le tout le boulot. Toi, t'ouvres les portes, mais moi, c'est moi qui tue tout le monde, frère. Apparemment, c'est par ici, mais c'est bloqué. Comme toujours, hein. Tiens le corps. J'ai pas une équipe qui gagne. Alors, je suis pas un. Ouais, bref. Là, elles sont par la courte, échelle, non? Ah non, même pas. Je t'attends ici. Je ne peux pas monter comme tu le fais. J'y vais. Ouais, bah attends, du coup. C'est parti. Ingrid, c'est qui part, les gars? Est-ce que j'ai été trop dur à propos de son grand-père? Il faut qu'elle sache la vérité, non? Oui, tu as raison. Hey. Tu me parlais? Non, je parlais à Ingrid. Ah, d'accord. Je t'attends.
Voyons, on peut avoir un meilleur point de vue sur cette piste. Tiens le pont. T'as réussi. Hop là, c'est parti. Ouais, c'est un robot. C'est parti. Oh bah d'accord. Ouais, mais j'aime pas, il me casse les couilles. C'est ta mère, toi. En plus, c'est la plus haut level qu'on mise en premier, du coup, on voit ça va. Tu veux quoi, toi? Bah voilà! Le tour est joué! C'est parti! On peut y aller, on peut remonter. On est tipard, les gars. C'est bon, la voie est libre. Allez. Oh, non, bah, le masque s'agite. On doit être proche. C'était quoi? À toi de me le dire. C'est ouais, y a un truc bizarre ici. C'était sûrement rien. On avait pas. Mais quand on est venu ici, il y avait pas ce truc là. Wesh. Oh, il doit y avoir une grosse bête, les gars, j'ai peur, non. Il faut qu'on sorte d'ici. Et le masque, oh non. On est tout proche. En plus, je crois pas qu'il soit dangereux. Est-ce qu'on voit bien la même chose? S'il est enfermé, c'est sûrement pas pour rien. Je peux sentir ce qu'il ressent. C'est un truc de géant. Et non, tout ce qu'il veut, c'est ça, là. Le morceau doit être derrière lui. Wesh. Commençons par l'entrave qui n'est pas près de ses dents. Bon, ça fait bader quand même. Hein. On dirait la bestiole dans The Last Guardian, les gars. Je sais pas si vous avez joué ou si vous connaissez le jeu. L'avenir, ça me fait penser à ça, wesh. Là. Il y en a un troisième sous sa patte. Attention! Il y a pas de quoi! C'est le cabot! Si on regardait dans la salle qu'il gardait. Une impasse? Wesh. Tiens, dis-moi que c'est dans l'eau quelque part. C'est. Tiens, il n'y a plus aucune réaction. C'est bien la première fois. Je t'ai fait confiance! Et on a libéré cette chose! Grand-père va me tuer! Dépêche. Bah ouais, mais là c'est chaud. Faut qu'on se barre vraiment du coup. Wesh, quel bail. Trude, attends. On l'a peut-être raté. Il est peut-être quelque part Trude, là-bas. Trude, ça va aller. Comment tu peux dire ça? J'aurais jamais dû t'écouter. Trude, si j'ai fait une erreur, je la réparerai. Je trouverai le morceau. Mais ça se trouve c'est lui qui l'a, la bête qui l'a. Tu es vraiment un imbécile fini. Tu sais que cette chose fait des trous entre les royaumes, pas vrai? Enfin, je suppose qu'on pouvait s'y attendre. Venant de deux bâtards. Ne me traite pas de... Et lui, frère, c'est vraiment un fils de lui. Je ta mère, Emdal. Comme je le voudrais. Minus. Laisse-le tranquille. C'était une erreur. Non! L'erreur était de te laisser croire que tu étais prête.
Tu l'as aidé, n'est-ce pas? De quel côté es-tu, au juste, sauterelle? Viens là, je vais te montrer. Oh. Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Oh. Vois-tu, les gens se retiennent avec toi parce qu'ils ont peur de ton père. Mais pas moi. Cette espèce de grosse barrique d'hydromel sur pattes. On recommence. Bien, bien. Imbécile de père en fille, semble-t-il. Ouais. Alors soit. Voyons ce que tu vaux. Tu as encore bien des choses à apprendre, petite fille. À commencer par reconnaître les tiens et ceux qui ne te sont rien. Attends que je devienne une valkyrie. Oh. Oh. Alors, tu crois vraiment que le père de tout permettra que ça arrive? Oh. Allons. Tu ne devrais pas laisser cette petite fouine te bercer d'illusions à longueur de temps. Arrête! C'était pas loin. Trud! Il fait ça pour t'énerver. Ah ouais? Eh bien, c'est réussi. Vous autres, les gosses, vous êtes... barbants. D'accord. Si tu en as terminé avec ta petite crise, nous devons partir. Parce que je brûle d'impatience de vous voir expliquer votre bourde au père de tout. Oh, ça va être fantastique. Hugin! Oh, il n'est pas là. D'accord. Allons voir dans son bureau. Oh, je n'aimerais pas être à votre place. Père, lui, me soutiendra. Après que le père de tout l'a renvoyé en boudant la queue entre les jambes? J'en doute. Quant à toi, Loki le Jotnar, ton incompétence me sidère. À tel point que je n'adore plus la nuit. D'accord, si allez, tu le dis. Je suis sincère. Tu possèdes une telle palette de défauts que c'en serait presque... attendrissant. Si ton inutilité était comestible, nul ne connaîtrait plus jamais la fin. Très bien, tout est de ma faute. Laisse-la en dehors de ça. Je n'ai pas besoin de ton aide, Loki. Désolé. Garde ça pour le père de tout. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Loki, je te retrouverai dans ta chambre quand j'aurai fini. Ce ne sera pas long. Très bien. La mission s'est déroulée sans accroc. L'objet... Merci beaucoup. Trude, Je ne veux rien entendre. Tout allait bien avant que tu débarques. Je vais me rattraper, c'est promis. Oh là là, ils sont jamais contents là-dedans, hein. Bande de chiens, va. Aussi quelle idée d'aller voir Odin, toi aussi, Atreus, ça. Ok, j'ai idée de merde, hein. Tout raté. Putain. C'est dans ces moments-là que la maison me manque. T'avais une maison, Ingrid, avant d'être ici. Quelqu'un qui s'occupait de toi. Je prends ça pour un oui. Je peux peut-être t'aider à rentrer chez toi, sans tout faire rater, si possible. Ça te plairait? Hop, comme ça. Ça n'a pas besoin pour l'instant. Je peux entrer. J'ai entendu la version de Heimdall. J'aimerais entendre la tienne. Raconte-moi.
Ce n'était pas là. Je me suis trompé. Tu sais, tout le monde peut faire des erreurs. Mais relâcher Garm, c'est extrêmement grave. Le chaos se répand déjà au sein des autres royaumes. Ici, on ne craint rien, à Asgard. Mais partout ailleurs... Je crois que je veux rentrer chez moi. Très bien, si c'est ce que tu souhaites. Je t'ai dit que tu n'étais pas un prisonnier ici. Tu as le choix. Va, fais le vide. Je sais que tu reviendras. Mais si tu t'en vas, tu dois me rendre le masque. Comprends-moi bien, j'ai une entière confiance en toi, mais pas en ton entourage. Oh, et... Du coup, on va vraiment rentrer, là ? Ah ouais, dommage, ça. Ingrid, je dois partir. Loki, quand tu seras prêt à revenir ici pour suivre ton travail, Hugin t'attendra dans ton ancienne maison. Tu t'es trompé. Ça ne change rien au fait que tu es le bienvenu ici. Oh ! Et tu salueras Mimir pour moi. Putain, on rentre chez nous, frère. Oh la dinguerie, les gars. Je suis surpris d'être soulagé de revenir ici. Et tu restes ici, tu risques d'attendre longtemps. Oh putain. Bien sûr. Ah bah j'ai plus l'épée là. C'est dommage hein, parce que j'ai pas vu. Putain, on va reprendre le Kratos et tout, ça va être une dinguerie. Là. Mais c'est très bien du coup, non. Faut que j'utilise l'accès mystique au plus vite. Et tu vas voir, ça va pas marcher comme par hasard. T'as raison. Si. Libérer Garm. Quelle terrible erreur. Très bien. Je serai bientôt rentré. Ça va aller. Tout va bien se passer. Là déjà ? Ouais. Non, non, non ! C'est toi ! Non, attends. C'est toi ! Arrivons pour le moment! Un ou deux! Atreus! Viens t'en faire! On nous attaque! Il en viendra tant que je n'aurai pas fermé cette brèche de royaume. Atreus, tenez loin de moi! Putain, on doit crever tout le temps là. Non ? En gros, si je comprends bien, il y a du temps en haut là. On doit crever tout le temps que c'est indiqué, c'est ça ? Je pense que la chose va se finir, à mon avis. Ouais, il y en a, je sais pas combien, par contre, ça commence à devenir abusé là. C'est vrai qu'il est pas ouf, tu vois, mais quand même, c'est persécuté. Je regarde, ils arrivent que à mettre un ou deux. Ah, faut que j'aille l'aider. Ah non, en fait, faut que je le passe avant que le temps termine, je crois. Wesh, non. Je veux quoi, lui? Oh! Combien est-ce que tu en as?
Wesh. C'est bon, ils ont refermé le truc, non? Est-ce terminé? Pas grâce à toi. Où est Atreus? Atreus? Le fugitif est-il rentré apportant tout cela avec lui? Quoi, c'était... What? C'était une illusion, quoi? Attends, je comprends pas, là. Ne bouge pas. Je vais bien. J'avoue, il est où? Tu saignes. Oh, arrête un peu de geindre. Attends, je comprends pas, là. C'est quoi, ce délire? Ah, s'il est là. Oula, oh, la tension. Oh, oh. Comment dois-je t'appeler? C'était de ma faute. Les Éléens, ils sont partout. Partout. Ce n'est pas ta faute. Bien sûr que si. Il y avait un loup à elle. Il était enchaîné et je l'ai libéré. Et je pensais que si je... Garm? Par les bourses d'Odin, tu as libéré Garm? Garm? Qui a libéré Garm? C'est de la folie. Tu n'as pas fait ça, jeune homme. Si le molosse de Hel est libre, il va dévorer la trame même des royaumes. Les Éléens ne sont que le début. À quoi pensais-tu? C'est vrai. As-tu idée du bourbier dans lequel tu viens de nous plonger? Pourquoi as-tu commis pareille bêtise? Est-ce l'œuvre de Loki? Assez. Laissez-le. Atreus a commis une erreur. Une erreur que nous corrigerons ensemble. Génial. Si ça ne vous dérange pas, je vais rester ici. J'ai eu ma dose de voyage à Helheim. Ça fait plaisir de les revoir ensemble, les deux là. Le père et son fils, ça fait plaisir. Il y a un problème. Je ne sais pas si je peux retourner à Helheim. L'écureuil sera peut-être c'est trop fait. On va vous parler immédiatement. Immédiatement, j'ai dit. Messieurs, veuillez pardonner ma brusquerie, mais les dernières nouvelles venues d'Helheim sont tout bonnement inacceptables. Finalement, il sera quelque chose, cet écureuil. Nous y allons. De ne pas tout faire foirer. Ouais. Tu ne vas pas, tu sais, me gronder? Non. Je suis soulagé de te voir sain et sauf. D'accord. Wow. Mmh. On peut vraiment fuir plus souvent. Atreus. Je plaisante. Alors, d'où vient ta nouvelle lance? Brock l'a fabriquée, à partir de Dropnir. Et ça, c'est quoi? C'est un anneau. Mais quelle est son histoire? Je l'ignore. Tu n'étais pas là pour poser la question. Oh ouais, Chab, il est là. Oh mais là ça va être galère, frère. On va falloir qu'on le bute là. Il a été enchaîné pendant très longtemps. Ne lui fais pas de mal, d'accord? Une créature effrayée peut être très dangereuse. Je sais. On doit traverser avant qu'il ouvre d'autres brèches de royaume. Mais attends, fallait que je fasse péter en fait. Ah oui. Je suis un peu bête moi.
Et là, on peut y aller. Même pas, ça suffit même pas. Ah si, c'est bon. Odin t'a dit de libérer cette créature. Hein? Non. Pourquoi? N'es-tu pas allié à lui? Ce n'est pas ce que tu crois. Quoi qu'il t'ait promis, ne lui fais pas confiance. Je sais, mais il a quelque chose que je veux. C'est... c'est dur à expliquer. Ah mais non, ça sert pour grimper pour après. Nous barre la route. Je monte. Il en faut plusieurs. Wesh, quel bug ça? Ça ne marche toujours pas. Je le vois. Depuis un autre angle, peut-être. Un point manqué. Ouais, bah il a peut-être raison. C'est pour ça qu'on peut monter là alors. Oh, ma vie, elle est descendue quand même. Le souffle de tes ailes. Tu as touché. Ah ouais, d'accord. Il y a d'autres pensées dans cette, d'accord. Let's go, bien vu, Atreus. Quoi? Écoute là, d'un seul coup. M'en fait peur, là. Bah c'est une sortie des ego. On a un peu de vie en plus. Ce que tu as fait pour Odin, tu dis que c'est dur à expliquer. Pourquoi? Il faut que tu me fasses confiance. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais... tu veux bien essayer? Que veux-tu obtenir de lui? Pourquoi ne peux-tu pas me le dire? C'est compliqué. Et toi alors? Pourquoi as-tu une nouvelle arme? Je croyais que tu ne voulais pas la guerre. Ah. C'est compliqué. Tout le monde cache des choses. Parfois, c'est la seule façon de protéger ce qu'on aime. Et ne t'en fais pas pour Odin. Je ne retournerai pas là-bas. Je suis content de l'entendre. Brèche de royaume. Œuvre de garde. Je crois que j'ai compris comment Freya les ferme. Tu peux éloigner les ennemis? Bien sûr. Dis-moi quand tu es prêt. Je parie que si on suit ces Éléens là-haut, on trouvera garde. Faut attendre le temps là. C'est plus sur carré, mais en fait ça sert à rien, la triste, peut pas m'aider, il a son fermé le royaume. Au final, voilà quoi. Ça peut pas spammer pour les défoncer là? Hey, j'essaie d'attaquer Atreus, il se fout. Laisse ta mère toi, dégage, voilà. Ça va être jeune ta vie, toi. Non, ouais.
C'est bon, le temps est bientôt fini là. C'est vraiment fini. Merci d'être venu avec moi. T'étais pas obligé. Je suis ton père. Je t'aiderai toujours, tant que j'en serai capable. Oh, ça fait plaisir de l'entendre. Réponds. Que faisais-tu à Asgard ? Je traduisais des choses pour Odin. Il a trouvé un masque et une brèche magique qui y est liée. Et c'est un peu... compliqué. Oui. Mais j'ai rencontré des gens de mon âge. Des amis. Du moins... méfie-toi des personnes fidèles à Odin. Ouais, on sait jamais. Les amis, la gueule des amis, frère, voilà quoi. Peut-être. C'est vraiment pas ouf. Atreus, si on trouvait comment marche cette porte, d'accord? Ouais, bah écoute, il y a bien un truc à glacer, non? Mes nouvelles flèches. Elles enchaînent les éléments. Aoka ! Je crois qu'il va nous falloir plusieurs sauts. À faire circuler le gel ou je pourrais utiliser mes nouvelles flèches, elles enchaînent les éléments. Aoka. Bon, en fait, je lançais pas bien les gars. Voilà, je suis con. Ouais, mais attends, il faut que ça se dégèle du coup maintenant. Ok, voilà. On refait la même. Bon, là, on va y arriver quand même. Ça va toujours pas hein. Ah, c'est bon. Ben voilà enfin. Encore un sur wow. La gauche. C'est moins une. Ça, j'ai vu la grosse bête là-bas. Mais il casse les couilles lui, pourquoi il... Hop, que tu dégages une roche. Ça dégage. Toi, tu viens là. Hop, hop, on va te piquer. On va te baiser, voilà. Ok, d'accord, j'ai compris.
Mais c'est comme ça, y'a pas de soucis, moi, ça dégage, hein. Voilà. Ouais, bah là. Ouais. Mais je sais pas si ça va marcher, hein. Une encoche dans le pilier, là où tu devrais pouvoir loger ta lance. Et à partir d'un meilleur angle. Ouais, bah ouais, effectivement. Donc peut-être par là, justement. Ah, il y avait des trucs là. Oh, il y a un truc de vie, c'est parfait ça, j'en ai vraiment besoin en plus. Pour le coup. Mais bon, on va pas avoir le choix là d'abord. Je vais buter ces connards. Allez, dégagez dans le vide, merci. C'est bon, t'inquiète. Mais par contre, il y a un mec là. Mais il n'y a pas de souci, mon ref, parce que regarde. Hop là. Oh, il a pris cher, hein. C'est-à-dire qu'il a pris cher, le bruit. Les deux autres, c'est du plus petit chat à côté, franchement. Hop. Hop. Hop, toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Hop. Et voilà, chimol. En plus, on a un truc de vie, c'est parfait. Et on peut y aller. On est qui part, les gars. On est qui part. Hop là, et on a un petit coffre. Non, on peut pas y aller parce que il y a des ennemis. Bah, je sais pas, ils sont où? Non, c'est bon. Bah, non. Ah, oh, d'accord, là. Derrière toi, attention! Tu crois pas moi? Ça y est, frère, non? Ah, quand même, bordel. Mais elle est dure là, c'est trop. Donc t'es la bête. Attaque runique, putain. Série de coups de lame qui balaye pour les ennemis. Après, il y a plus à nouveau sur la bête pour donner plus de coups. Bien, bien. J'aime bien ça. D'accord. Ça descend, ok, bah vas-y, let's go. Odin ne souhaite pas le Ragnarok. Je sais qu'il n'est pas digne de confiance, mais j'avais besoin de lui. Je veux pas non plus que le Ragnarok. Je t'aurais aidé. Je sais, mais. Hé, il est ici. D'accord, d'accord. Tout va bien, mon grand. Tout va bien. Du calme. Tranquille, tranquille. Attends, vous voulez juste. Putain, on va casser les couilles. La femme, on continue, on a pas trop de choix là. Oui. Joli. Ah ouais, mais lui il a l'air d'être chaud par contre. Hein. Mais lui il est peut-être avec celle du coup là. Derrière toi. Ah bah t'as un mec. Voilà, nique ta mère, frère. Ah c'est bon, on peut le finir, let's go. C'est lui, il fait. Allez hop, ça les gars. Pour toi, à côté, ça va être un peu. C'est un peu de dégâts, c'est un peu. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, je suis bas. Il va me buter, ça continue. Voilà. Oh ouf, lui. Allez, on est parti. Traquer Garm. Bah oui, bah forcément, on fait que ça tout à l'heure. Si Odin souhaite réellement toucher le Ragnarok, alors nous sommes. Hop là. Ah oui? Alors c'est pourquoi cette lance? Pour te protéger. Oh, c'était stylé ce qu'on vient de faire là. Franchement, c'était incroyable. On peut aller où là? Par là?
Hop. Ok, d'accord, il y a encore un bout. Ah bâtard, il continue. T'arrêtes pas toi. Ils sont pas les couilles, il n'y a pas de monsieur. Il peut le baiser avec n'importe quoi, je crois. Il m'a quand même touché le bâtard. Est-ce que ça me touche à chaque fois? Allez, c'est terminé pour toi, on y va. Ah ouf. Voilà, donne-moi la vie, l'arrache, tout ce qu'il faut. Voilà, parfait ça. Si tu veux vraiment éviter le Ragnarok, alors dis-moi, pourquoi la lance? Je me suis confié. À ton tour. Ça ne marche pas comme ça. Je suis ton père. Tu évites la question. Mais là, on n'arrivera jamais à passer le truc. C'est le truc, il est là, mais on peut dans, en aucun cas l'atteindre de base de toute façon. Frérot. Comment fait-on là? J'aimerais bien savoir moi en vrai. Là je vois pas du tout. Hein. Ok, je devrais pouvoir planter mes flèches dans le bois là-haut. Ah ouais! Oh il est pas con lui. Ah bah attends du coup. Ah attends. Du coup ce qu'il faudrait c'est ça. Ah ouais sinon c'est pas rien. Il faudrait plusieurs sauts peut-être. J'y mens. On va faire ça quand même. Non. Enfin ouais mais après je pense que ça va suffire en vrai. Voilà. Allons-y. Parfait mon gars. C'est un petit derrière nous à chaque fois. Du coup on a un petit coffre. Petit coffre des familles derrière moi. On approche. Tu me promets de pas le tuer, hein? Je ne fais pas de promesse. Mais non, je vais pas le tuer. Mais j'essaierai de ne pas tuer la bête. Il n'essaiera, voilà. Tu vois, c'est déjà une première en vrai. C'est déjà ça. C'est parti, les amis. Il y a encore des adversaires qui vont nous casser les couilles. Ok, il faut la... l'arme du chaos. Oh, ils ont dégagé hyper rapidement eux, mon gars. Oh là là. Dingue. Ok, il y a un autre là-bas. Là, le truc, ce qui me dérange, c'est qu'il y a un truc là-bas en fait. C'est juste ça en fait. C'est de l'argent. De l'argent. C'est une impasse. Mais non, t'inquiète. Ok, bah du coup, en fait, si ça allait aller là, ça servait effectivement. Hop, on est parti. C'est parti, let's go. La lance, ça me fait trop penser à Assassin's Creed Odyssey, je sais pas pourquoi. C'est dingue. C'est pas du tout, on est sur le bonheur pour un Maroc là. Vas-y, monte, monte. Non, plonge le mur. Quel est ton plan? J'improvise, au fur et à mesure. Mais ce n'est pas de Garme que tu parles. Tu ne peux pas tromper Odin. Jusque-là, j'y arrive. Je suis sûr.
tâcher de l'apprivoiser. L'apprivoiser? Oui, j'ai déjà apprivoisé des loups. Ah ouais, t'as un manche. Bon, vas-y, on va jouer avec eux là. Hein? Pourquoi j'ai pris tant de dégâts, les gars? Il s'est passé quoi là dans le coup? Surtout que c'est des noobs en plus, eux, donc c'est sympa. Ah, par contre, j'ai plus vu du tout, hein. C'est sûr que là, si on se combat contre le loup, frère, je vais mourir un peu, je vais là. C'est trop cool cette attaque là. C'est pas mieux là avec les lames du chaos. Go la vie, on a besoin, donnez-nous un plan là. On va regarder là-dedans même. Oh ça vibre, oh il est là, oh bah oui. D'accord, je vais distraire Garde. Toi, tu gèles ses chaînes avec ta hache pour l'empêcher de fuir. Et tu les fixes à quelque non, chose. C'est trop dangereux. Ça peut marcher. Allons-y. Attends, mais moi je dois faire quoi? Quelque chose que je dois geler. Bref, L2 plus R1 pour l'électricité de la chaîne. Quelle extrémité de la chaîne, moi? Presque. Transformation. Odin t'a-t-il appris à la contrôler? Non. Nous n'utiliserons pas ce qu'il t'a appris. Nous le ferons à ma manière. Oui. Ça n'a pas marché. Tu ne l'as pas fait exprès, au moins. Que fais-tu de la confiance? Pardon, c'était pas juste. Mais je pensais que ça marcherait. Patience. Nous y arriverons. On y est presque, les gars. Au-dessus de toi! Ah bah il sort du coup, il y a le mal, il y a le mal, il y a le coup, c'est pas quoi là. Même si il vient plus, c'est un petit. Ah, tu dégages. On prend le pas de la vie un petit peu. Oh mais il y en a encore, c'est bien. Ça va m'en rendre speed, là, en plus. Voilà.
coup. Je crois que je l'entends plus loin. Cette fois, suivons ma méthode. Et ta méthode, ça veut dire... Exactement ce que j'ai dit. Si on essayait de... Nous avons le pouvoir d'empêcher cette créature de causer du mal. Il nous faut agir. Oh, mais les gars sont trop longs de la buter. Ah ouais, quand même une unité avec une chute. Les gars, on va se laisser là-dessus et on recommencera au prochain épisode. Ah ouais, c'est dur, hein. Mais voilà, pas de choix. Bon, bah voilà, les gars, c'est la fin de cet épisode. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker comme d'habitude, à vous abonner et à partager. Du coup, voilà, il y a un très très gros combat qui nous attend là, du coup, hein, comme vous avez pu le voir. Un petit aperçu en fin d'épisode. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.